Regardez bien cet écureuil. Ce n'est pas un écureuil ordinaire. Il fait partie de la prestigieuse école des écureuils super-héros. Comme vous pouvez le voir, dans cette école, les écureuils suivent une formation complète. En art plastique. Tu dessines quoi, petit écureuil ? La Joconde, du con. Formation aux nouvelles technologies, avec un équipement très high-tech. Je suis quand même pas fou, ça sent la noisette. Et l'atelier ski nautique, qui a toujours son petit succès. Mais tout ceci n'est qu'un échauffement ludique, avant de passer aux choses sérieuses. Le parcours d'obstacles. Alors excusez-moi, mais je dois le guider en temps réel, là. Gérard, tu m'entends ? Ouais. Alors tu devrais arriver à une espèce de grande piscine à balles, toute ronde. Hein ? Une piscine à balles ? En fait, il n'y a pas de piscine à balles. C'est juste un test pour tester les capacités d'adaptation de l'écureuil. Et là, je fais quoi ? Fonce ! Il y a un renard derrière toi ! Bien sûr, il n'y a pas de renard non plus. C'est encore un test, mais nécessaire. Oh mon Dieu, le renard ! Oh, des noisettes ! Envoyer un écureuil en mission sans entraînement est une vraie catastrophe. Là, c'est bien. Ah non, attends. Bon, écoute, Roger, si tu le sens pas, laisse tomber. Rentre à la base. Non, je peux le faire. C'est juste une question d'angle. Attends, regarde, là, je crois que j'ai trouvé là. Là, c'est bien, là. À la une. À la... attends. À la deux. À la trois. Et encore, là, c'est rien. Regardez. Ok, bon angle. Go ! Dans ces cas-là, c'est retour à l'entraînement. Intensif. Je dois vous avouer que nous sommes particulièrement fiers des résultats obtenus dans nos classes d'aéronautique. Même si les débuts ont parfois été difficiles. Regardez donc ces magnifiques images d'archives. Vous voyez là le tout premier saut de Ginette, une de nos élèves les plus brillantes. Exceptionnel. Impressionnant, n'est-ce pas ? Voici Georgette, qui peut courir à une vitesse de 180 km/h. Et bien sûr Léon, qui apparaît, qui disparaît. Et le plus incroyable, l'écureuil invisible. Quand il ne bouge pas, on ne le voit pas. C'est bluffant, hein ? Vous voulez que je le refasse ? Oui ? Attendez. Et hop ! Et voilà, on ne le voit plus. Nous mettons un point d'honneur à prendre soin de nos petits pensionnaires. L'entraînement n'est pas tout. Il y a aussi des moments de repos, de calme. Avant de nous quitter, j'aimerais vous montrer comme nos écureuils se sentent bien chez nous. Hein, petit écureuil ? Tu viens ? C'est quoi ton pouvoir à toi ? Manger des noisettes. Il est mignon. Vous en avez ? De quoi donc ? Des noisettes. Vous en avez ? Non, je ne crois pas, non. Pas sur moi. Ninja ! Enlève-moi tes noisettes ! Enlève-moi tes noisettes ou je te mords ! Ah, mais bon, ça m'a enlevé, moi, cette sale bête ! Enlève-moi tes noisettes ou je te mords ! Elle m'a mordu !